Pour devenir le meilleur dresseur de dauphins, il faut être vraiment obsédé par ces animaux. Mais aussi compétitif. Et il faut également un ego bien plus grand que le commun des mortels. José Luis a toujours aimé gagner, se démarquer, être le meilleur dans tous les domaines. Mais prudence. C'est un métier rempli de personnes qui nous envient. On ne sait jamais qui peut nous poignarder dans le dos. Ce serait injuste de tirer des conclusions sur la personnalité de José Luis Barbero simplement en regardant une vidéo. Cette terrible vidéo de 99 secondes. Les pires secondes dans la vie d'un dresseur.